Aujourd'hui, on va essayer de départager la to-do papier ou la to-do list numérique. Alors, to-do list papier ou numérique ? Difficile de faire un choix. Et si on pouvait utiliser les deux sans trop se disperser ? Aujourd'hui, je t'explique les différentes possibilités suivant le support choisi, ce que moi j'utilise en cas d'urgence et l'avantage d'un outil que l'on a tendance à négliger mais qui a une grande utilité. Je me représente très vite pour ceux qui me découvrent par cette vidéo. Je suis Christelle, Home Organizer, et je t'aide à reprendre le contrôle de ta maison et de ton temps pour enfin mettre KO le bazar et tout ça, même si t'as la flemme. Parce que oui, on peut être organisé même si on n'est pas tout le temps hyper motivé. Pour qu'une to-do soit efficace, il faut qu'elle soit pratique, organisée bien sûr, et surtout facile à utiliser. Pour commencer, on essaye de tout regrouper au même endroit et de ne pas avoir 36 supports. Mais par contre, tu peux différencier les supports suivant les sujets. Par exemple, le pro en numérique et le perso sur papier. Je ne sais pas si tu vois la subtilité, mais surtout, pas de tout, un peu partout. C'est pas possible de s'organiser comme ça. Alors, on va mettre tout de suite les cartes sur table. Je ne vais pas te dire quelle est la meilleure méthode pour ta to-do list. Tout simplement parce que la meilleure méthode, c'est celle qui va fonctionner pour toi. Et pour savoir, il faut tester. Je vais te parler de mes habitudes, mais elles ne sont pas à copier. Prends des notes, essaye et trouve ce qui te correspond le mieux pour toi. Et dis-moi tout ça en commentaire, c'est toujours très inspirant pour tout le monde et surtout pour moi de voir comment tu fonctionnes et j'apprends aussi plein de choses. Alors surtout, n'aie pas peur de commenter, ça a plus d'impact que tu ne le crois. Tu n'es pas obligé de me faire un roman, juste quelques mots, ça me fera super plaisir. Alors, on va tout de suite parler des habituels post-it. Mais ça sera la seule fois parce que pour moi, ce n'est pas du tout pertinent pour une to-do list. Heureusement, il me semble que l'on en utilise de moins en moins. Ils ont un peu été détrônés par les applications notes sur nos téléphones ou des carnets spéciaux pour les to-do lists. Et crois-moi, c'est une très très bonne nouvelle pour ta productivité. Bon, alors, moi, j'avais tendance à mettre mes listes sur notes, donc sur l'application de mon téléphone. Mais pour être honnête, ce n'était pas bien organisé. Oui. Je dois t'avouer un truc, autant sur les objets, c'est devenu très simple pour moi de trier et ranger. Autant pour mes outils numériques, c'est pas gagné, j'ai toujours mes mémoires pleines. J'ai du mal à appuyer sur la touche supprimer, ça me fait peur. Mais j'y travaille et je m'améliore et c'est déjà pas mal. Donc, je note mes petites notes sur Notes ou maintenant sur Notion. Si tu ne connais pas, où étais-tu pendant ces deux dernières années ? Je viens juste de dire que j'y travaille et c'est bien sûr sur Notion pour organiser mes to-do. C'est l'outil à tout faire, mais quand je dois absolument être productive et que je vois qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, la meilleure solution pour moi, c'est de prendre un papier et de noter. En cas d'urgence, je ne me pose même pas la question. Je prends un papier, un stylo. Ça rend les choses plus concrètes à faire. Et là, c'est la même chose que ce soit du pro ou du perso. La technologie, c'est génial. Mais écrire, c'est la base. Donc, quand vraiment il le faut, on revient aux bases. Et j'attrape le premier truc qui me vient. En ce moment, j'ai plus rien. Donc, c'est souvent des brouillons ou des dessins des enfants. Bon, je te rassure, pas les jolis, hein, les petits trucs qui vont finir à la poubelle. Et comme j'aime pas les papiers qui traînent, ça me force à vite tout cocher. Finir ma to-do et mettre au recyclage ce papier. Pour résumer, la première chose à faire, c'est de définir un support, soit papier, soit digital. Et donc, pour chaque catégorie, tu as plusieurs options. Pour les supports papier, bon, tu peux prendre les post-it, ça marche à condition de n'en garder qu'un et de mettre qu'une seule chose dessus et de ne pas en coller un peu partout. Un seul. Sinon, aucun intérêt, ils feront vite partie du décor et tu ne vas plus les voir, ils ne vont servir à rien. Bon ok, j'avais dit que j'en parlerai plus, mais quand même, je fais un petit rappel pour ceux qui en collent un petit peu partout. Ce qui me paraît le mieux, c'est un petit carnet où tu peux arracher les feuilles quand tu as fini. Il y en a des tout faits à Action à petit prix. Moi en ce moment, je te l'ai dit, j'ai rien en stock et quand je suis allée à Action, bah, il n'y en avait plus. Donc j'en ai commandé sur internet, je ne sais pas si je les aurais reçus au moment du montage, là je ne les ai pas encore. Et sinon, je te mettrai des liens en description et des photos.
Mais tu peux aussi les faire à ton image, par exemple sur Canva. Tu choisis tes couleurs, ton design, il en a des tout faits. Et si ça peut te motiver, pourquoi pas fonce. Tu as une version gratuite de Canva en plus, donc tu peux y aller les yeux fermés. Tu peux aussi recycler des vieilles enveloppes, les dessins des enfants, leurs feuilles de devoirs qu'ils ne reliront jamais et qui vont finir aussi à la poubelle. Ou encore des feuilles de brouillon pliées en deux ou en quatre. Moi j'aime bien quand c'est pas trop grand parce qu'il faut pas noter trop de choses non plus. Et il y a même de plus en plus d'agendas qui proposent des sections pour les to-do, je vais te montrer. Moi pour cette année j'ai choisi Contsou. J'aime beaucoup le concept, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de recul. Mais la partie to-do est bien pensée, pas trop grande et en même temps suffisante pour ne pas te retrouver avec une liste à rallonge. Chose à proscrire et tu le sais si tu as vu ma vidéo à ce sujet. C'est à toi de choisir ce que tu préfères. Il faut que ça reste pratique et que tu puisses avoir ton support sous les yeux le plus souvent possible. Alors on oublie le grand cahier A4 impossible à transporter. Ce n'est pas obligé d'être joli, il faut surtout que ça soit pratique et que tu aimes l'utiliser, c'est super important. D'où l'option de Canva si tu aimes les choses personnalisées. Bon, passons au digital maintenant. Il existe énormément d'applications de notes. Je te laisse faire ton choix. Comme je te l'ai dit, j'utilisais simplement Notes sur mon iPhone, mais de plus en plus l'application Notion qui est vraiment très pratique car tu peux l'avoir sur ton téléphone et sur ton ordinateur. Donc un petit peu partout. Là encore, c'est gratuit et tu peux aussi tout personnaliser. Le gros plus de Notion, c'est que tu peux avoir plusieurs listes en même temps sous les yeux. Et je précise, ma to-do, ce n'est pas ma liste de ménage à faire. Ne pas confondre to-do list et checklist ou planning. Tout ce qui revient chaque semaine, chaque jour, ne doit pas être dans ta to-do. C'est un peu comme un process ou une routine, tu peux alors déléguer. Je te le pose là comme ça, mais je t'en reparlerai sûrement une autre fois. Cette vidéo va déjà être assez longue. Je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Allez, une dernière chose. On n'y pense pas toujours, mais les to-do list numériques peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires par rapport à un simple petit bout de papier. On peut ajouter des rappels, des options de tri, de filtrage, et la possibilité de synchroniser la liste sur plusieurs appareils. Et on peut même les partager au sein d'un couple ou d'une famille ou d'une autre personne par exemple. Et ça, c'est extrêmement pratique. Alors, tu utilises quoi toi? Plutôt papier, numérique ou un peu des deux? Et n'oublie pas, je te l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, pour savoir si la to-do est faite pour toi, je te la mettrai en description. Tu n'es pas obligé de faire une to-do list si tu n'en as pas le besoin. Ce n'est absolument pas obligatoire, ne va pas te rajouter un truc en plus à faire si ça roule déjà dans ton organisation. Je le répète ici, on se simplifie la vie, on ne fait pas comme Marion ou Chloé. Oui, t'as vu, j'ai changé les noms. Parce qu'elles ont dit que c'était génialissime. Si tu as un doute, essaye. C'est toujours bien d'essayer pour se faire sa propre idée. Et adopte la to-do list papier ou numérique. Et même les deux, c'est toi qui vois. J'attends de voir dans les commentaires de quel team tu es et en attendant la prochaine vidéo, tu peux me rejoindre sur Instagram, mon compte c'est Happy Mom. Bye bye!